Archie? Archie Beagle? Comment tu sais qui je suis? Ta mère nous envoie te chercher. Ah, je suis si contente de te voir. Pas si fort, Archie. Désolée. Il faut qu'on arrive à ouvrir ça. Allô, Mora? Un certain Harlow. Il a tué mon père. Oh, désolé, Archie. Il ne s'en tirera pas comme ça. Mais on doit d'abord te ramener auprès de ta mère. Merci de m'avoir sauvé. Ne nous remercie pas, Archie. Il est temps de partir. On sait par où passer pour te ramener chez toi sans danger. Maman, les amis de papa sont en danger. J'ai entendu les gens qui m'ont enlevé parler d'eux. Quels amis, mon chéri? Monsieur et Madame Rabe. Monsieur Philbert. Et je crois qu'ils ont aussi prononcé le nom d'Otto. Oh. Je vais leur parler. Allez, file à l'intérieur. Oui, maman. Les amis de votre mari sont peut-être en danger. Tout comme ils l'étaient. Comment peut-on vous aider? Vous en avez assez fait. Mon mari était un grand sorcier, et même lui n'a pas pu vaincre Harlow. Nous devons éviter que ce monstre s'en prenne à vous. C'est un peu trop tard pour ça. Harlow en a déjà après nous, malheureusement. Alors ne l'énervez pas davantage. Je vous assure que cela pourrait être bien pire. Gardez vos distances, je vous en supplie. Encore une fois, je suis désolé pour votre mari, Madame Beagle. Merci. Et merci d'avoir ramené Archie à la maison. Je ne pourrai jamais assez vous remercier pour votre gentillesse. Pas d'inquiétude, Madame Beagle. Mon père disait souvent que la pluie ne tombait pas sur un seul toit. Nous pouvons nous entraider. Je dois en apprendre plus sur les amis de Monsieur Beagle et sur ce que leur veut Harlow. Je te préviendrai dès que je trouverai quelque chose. Merci de m'avoir aidée aujourd'hui.